Parlons du match-up à venir. Hein. Kazuya. Isabelle! Oh, Kazuya Recon! Donc, là, on va avoir un match-up que le premier match est extrêmement important parce que on va juste avoir des joueurs qui vont counter les personnages de l'autre. Fait qu'on va encore avoir un joueur, Raggy va jouer DK contre Kazuya. Fait qu'après ça, ça se peut que Raggy sorte Game & Watch. C'est vraiment l'important. Parce qu'il faisait... you know reverse card. What the fuck just happened? C'est ici qui marche pas, gang, fait que je vais enlever ça. Ouais, le gros 50-50, fait que dans le fond, c'est simple. Quand on va voir Kazuya sortir... Quand on va voir Kazuya sortir, Raggy va jouer DK. Fait que c'est exemple, Raggy gagne un premier match. Qu'est-ce qu'on va voir comme ça? Après, c'est Raggy va dire « Ah, je vais jouer DK, il va sortir Kazuya ». Mais si, exemple, Brother J gagne un match puis il dit « Je vais prendre Ken », mais là, on va avoir un Game & Watch sorti du côté de Brother J. Fait qu'on a un match-up entre les deux joueurs. Le premier match devient extrêmement important parce qu'après ça, ça va décider tout le reste du duel entre les deux joueurs. Je sais pas ce que les deux joueurs font, là. Ils discutent de la vie. Ok, elle est vraie! Mon dieu, je bois, désolé, d'accord! On va checker. Je pense que Ryder a checké son six-stick marche. Ah, oh, là, il marche, parfait, on est prêt. Donc, là, le match est commencé entre les deux joueurs. On ouvre le setup les deux. Les combos Kazuya qui commencent assez bien. Oh, beau reverse grab! On essaie de command grab dans les airs, par exemple. Kazuya qui a un bon command grab avec son down B, mais il reste que raw comme ça, c'est pas dur à pogner. Bell angle de son attaque cookie, qui était pas, je sais pas lequel de ses inputs, mais un des 452 qui fait. Et voilà, oh my god, c'est tu. Ah, je pensais qu'il allait mourir. Et voilà, Hell's Gate, Rage Hard, désolé, voilà. DK, passe au premier stock, fait que beau départ pour Brother J. Par exemple, on est à 51, fait que. Oh, on manque les trucs Godfist là-dessus, malheureusement. Ben voilà, oh, dash attack, non! Il va carrer DK pour venir. Mauvais facing, et voilà, oh my god. Je pense que c'était le full charge Electric Godfist. Oh, voilà, le beau timing. Dash attack. La guerre seulement qui est pas du tout dans le match. Au backer bien placé. On counter le neutral B de Kazuya. Raggy qui est un joueur assez explosif, fait que peut-être qu'il peut faire la remonter. Oh my god, giant donkey punch. Neutral B, on essaie de garder un peu de spacing. On essaie de annoyer avec le neutral B. Je pense pas que c'est la chose à faire. Je pense que vraiment Brother J voit peut-être la. Oh my god! Ça win? Ok, ça win! À la question quiz, qu'est-ce qui banne? Qu'est-ce qui gagne entre le side beat DK et Electric Godfist de Kazuya? C'est Electric Godfist. On s'en va sur mon Battlefield. Là, la grosse question, c'est sur le personnage. Est-ce que Brother J va vers Ken? Il va rester avec Kazuya, évidemment. Bonne chance qu'il reste avec Kazuya, selon moi. On s'en va sur la tune poche de Donkey Kong. Raggy va sortir qui? On voit la réflexion. Raggy, il y a beaucoup de bons personnages. Game & Watch étant un, je pense que Game & Watch contre Kazuya n'est pas un mauvais match-up pour Game & Watch. Il reste que... On va voir ce qui va se passer. Go! Donc, on est sur 35 contre la forme. Là, on va voir un Raggy qui est très fatigant. C'est vrai que c'est Ariel. Oh my god! Non, mais pour ceux qui trouvent que Kazuya est broken, ben mettez ça dans votre montage vidéo, ça va être drôle. Nine! Ouais! Ah, manque de combo.
What? Oh my god, ça failli être un beau follow-up, ça. Désolé, on parle en arrière-plan. C'est allumette de Game of Thrones, je fais rien faire contre Rage Heart. Malheureusement, on a déjà perdu Rage Heart. Fait que, ça va faire. Tu veux kill d'une autre manière? Quoi, Kazuya, c'est pour un problème de trouver un kill. Oh my god, ça win ça! Ok, Kazuya win avec ça. Et voilà. Why not? La chaise! Oh non. Oh! Je me demande si Game & Watch absorbe avec son barquette ou s'il reflect avec la barquette. Là, je parle évidemment de l'attaque. Oh my god. On survit côté Kazuya, une chance qu'on a un bon poids. Smash est une des rares occasions qui a été vie, c'est bon. On se fait avoir pour le beat de Game & Watch. Quelqu'un fait une clip quelque chose, j'imagine ça doit être le 9 de Raggy back air. Oh, ok, ben là ma réponse, ça fait juste. Je me demande si ça fait du dommage par exemple. Gatis bat tous les moves si tu le drop en même temps. Je suis pas mal totalement. Et je suis pas mal totalement sérieux. Faudrait checker. Peut-être pas le KO punch. Hein. Moi, dans ma tête, je me dis peut-être le KO punch de l'OMAC. Je sais que c'est un mauvais exemple, là, mais. Ou genre, peut-être l'OMAC avec du body armor quand il fait ses smash, là. Au beau tech, on manque le tech à deuxième coup. Bon, déjà qu'il y a tech once, mais oublié de tech twice, fait que c'est 2 pour 1. Malheureusement, les techs ne sont pas 2 pour 1 pour Brother G. Ça va, Sebastian? Qui va être? Là-dessus, Kazuya win, parfait. Si ça va, le back air de Palou. Et voilà, Kazuya contre Monsieur Jeu et Montre. Match 3, 1-1. Allo, Bastion. Hein? Mais un mot de jeu. Je serais prêt à faire un argument que le dessin n'est vraiment pas d'accord avec moi, puis ça me dérange pas. C'est sûr que c'est pas un move parfait parce qu'il faut que tu le charges, mais honnêtement, Charge Shot de Samus est un excellent move. Le Shield à Shoulder, easy win. Ouais. On utilise. Oh my god! Là, on a complètement. Ah, voilà. Je dirais que Brother G fait souvent l'erreur de quand il y a le Rage Heart. Non, c'est Losers. Souvent, il fait l'erreur de quand il y a Rage Heart. Tu... Oh my god, un autre! Un autre 9! Il avait quand même une chance sur 8 de l'avoir. Hein. Tu sais que le bloc de Steve, bon point. Et voilà, up smash. Je peux accepter que tu le pognes une fois, mais tu le pognes deux fois. Là, on est quand même sorti du côté. Ben, sorti, tu m'en as parlé de Brother J, de savoir deux fois par le 9. Hein. Est-ce qu'on se fait encore voir par le 9? Hein? J'ai look away 10 seconds. Match numéro 4, tenté de joueurs, Raggy 2-1. On retourne avec Kazuya contre Game & Watch. Nair 9. Est-ce qu'on va encore sortir ça? Nair. Back air! Back air! Ok. Oh! Wow, que Raggy qui va juste offstage faire un mur et voilà. Je pense pas que c'est la fin par exemple. Oh! Manque de timing! Oh, peut-être qu'on va payer pour Raggy. Il aurait pu juste aller offstage encore. Rage Heart, on est à 101. Oh, voilà, on va avec le down tilt. Et voilà, on il y a même fait que Kazuya perd sa rage à cause qu'il a mangé des fruits et légumes dans la face. Back air. Raggy qui a quand même un contrôle du match, par exemple, contre Kazuya. Avec, surtout qu'un Game & Watch, ça prend juste un combo puis c'est pratiquement game over. Ah! Ah!
Il l'avait, mais il a pas ça. Il faut ça te connecte. Ça aurait été juste tellement drôle. Oh! Dans 20 merdeux. Ah, on fait sa lock dans la vie. Oh, il a dit c'est up smash, mais probablement qu'il avait dit qu'il va bien mâcher, fait que... Jab, jab, jab. Ben, jab, jab, jab. Et on va... Honnêtement, Raggy, il faut qu'il prenne des... Il peut prendre des trades là-dessus, il va y prendre. Les deux, c'est à deux stocks, par exemple. C'est pas... C'est pas fini pour Raggy, honnêtement, là. C'est pas fini pour Brother J, désolé. Laser des yeux, ou de la tête, désolé. La chaise qui pogne pendant qu'elle roll en arrière, c'est un peu bizarre. La chaise qui a un weird hitbox. Ah, oh, manque un peu des combos, on peut-être qu'on était plus stressé. Trade, c'est mieux que juste lose, ouais. Back air, non! Oh là, on a baquette un peu. Je sais pas si ça baquette au complet par exemple. On va voir peut-être dans quelques secondes. Hein. Oh, toi! Et voilà, B. Égal côté stock, c'est 44 côté Brother J. C'est loin d'être terminé. Si c'est pas. Non, what the fuck is this? Non, 3 sur 4. 3 sur 4. Non, mais 4 sur 4 de qui t'as marqué le nez? What the fuck, man? C'est normal, Bird, là. Alors, le jeu ne voulait pas que je gagne à soir. Qu'est-ce que commentator curse? Qu'est-ce que j'ai dit, commentator's curse? Hey, c'est le brochu en passant. Brochu, t'es encore là? Mais je fais 9 4 fois. Ouais, en fait. Ah, mais il y a une fois qu'il l'a manqué, par exemple. Fait que c'est fait 9 trois fois, pas hit, puis la quatrième fois, il l'a miss parce qu'il était vraiment proche de se faire avoir.